Le forum sur le système alimentaire africain se tiendra du 2 au 7 septembre prochain à Kigali. Ce forum accorde la place aux jeunes entrepreneurs. De ce fait, 11 jeunes Maliens évoluant dans l'agribusiness prendront part à ce rendez-vous au Rwanda. Moi, je suis extrêmement honorée et contente parce que c'est un rêve pour nous. C'est notre première participation au forum africain de l'agriculture. Vu que nous sommes une entreprise qui évolue dans le domaine de l'agriculture et l'agrobusiness, c'est vraiment un grand pas et une joie pour nous. C'est vraiment un honneur pour moi d'être choisie parmi tant d'autres jeunes femmes entrepreneurs agricoles de participer au congrès de cette année. C'est vraiment un honneur pour moi. Donc je remercie Agra et ses partenaires d'avoir fait ce choix. Les discussions et les activités de ce forum tourneront autour de certains points, notamment innover, accélérer et évoluer dans le domaine du système alimentaire à l'heure du numérique. Il permettra aux jeunes d'acquérir des connaissances, mais aussi des opportunités. Ça serait très bien pour nous, la nouvelle génération qui évolue dans ce secteur. On va se mettre ensemble pour développer pas mal de projets, pas mal d'idées, partager des expériences et surtout avoir accès à d'autres parties prenantes des autres pays, d'autres acteurs des autres pays, des investisseurs, des partenaires commerciaux et tout. C'est vraiment intéressant. Bon, l'année dernière, je n'ai pas pu exposer mes produits et là, je les ai écrits en email si possible, si j'aurai l'occasion de pouvoir exposer mes produits. Et je souhaite aussi rencontrer des investisseurs, échanger avec eux afin de pouvoir travailler avec eux sur le long terme. Le forum agricole organisé par Agra qui se tiendra à Kigali est un événement majeur dans le secteur de l'agriculture en Afrique. Ce forum réunit des experts, des décideurs politiques, des agriculteurs et des entreprises pour discuter des défis et opportunités du secteur agricole sur le continent africain. Okay. To give the translator.